Oh, il faut lui dégommer sa gueule. Il faut lui dégommer sa gueule. Ouais, il faut le tuer pour manger. Venez voir, un sanglier. Oh non, il m'a vu. Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Ouais, mais non, t'inquiète, c'est EZ. T'inquiète pas, je suis une chasseuse expérimentée. Allez, tourne ma tête. Dans ta gueule. Ça te rend toujours aussi précise. On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non. Allez, lion, ne lâche pas. Mais fais une hémorragie crânienne, il va aller où comme ça là? Je veux une viande saignante. Ne le lâche pas, lion. J'arrive, lion. Retiens-le et tu... Mais c'est un chien de chasse, il peut pas lui arracher les jambes ou quoi? Non, je vais m'enfoncer là-dedans. Mais non. Tu vas pas t'enfoncer dans le chien, maman. Mais non, il va pas mourir. Pourquoi tu veux qu'il meure? T'es un sadique, toi. C'est un chien. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Yuki, non. T'as fait quoi? Mais... C'est le sanglier. Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. C'est ça, c'est sanglier. Viens, mon chien. Il s'est fait bouffer par les rats. 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 C'est pas très poc ce que j'entends là. Le chien! C'est censé être le meilleur ami de l'homme! Mon chien. Qui a fait ça? Pas poc, c'est pas poc, c'est pas poc, champ. Diablerie. C'est pas. On rentre. C'est pas poc. Tout de suite. Amicia. C'était un bon chien. Ah, c'était un bon chien. Il pouvait pas tuer le père. Putain. À chaque fois, c'est pareil. Bonjour, c'est pas le père qui vont tuer. Non, c'est forcément le chien. Tout le monde préfère les chiens. Oh putain de... personnage secondaire. Prenez soin de Lion, je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés. Même s'il faisait parfois des bêtises. C'est un bon chien. Je lui avais pris à faire le pauvre champ. Et il est mort. Il avait pris à faire le mort. Mais je m'attendais pas à ce qu'il meure vraiment. Ouais, c'est bon, je viens, fais pas chier. Maman va bientôt revenir. Par contre, notre chien, non. Et papa, malheureusement, oui. Oh, bon, peut-être pas, finalement. Papa va peut-être pas revenir, lui aussi. Non, Seigneur Nicolas, pour la dernière fois, où est votre fils? En de bonnes mains. Oh, papa! J'ai pas le temps de jouer avec toi. Wouhou. Reste. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Tais-toi. Viens voir un peu ici. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant. Vous avez fait pour le livrer l'enfant. Voilà pourquoi. Oh non, Léa. Où est Hugo Doré? Mais pourquoi ils veulent savoir où est le gosse? Non. Oh. Moi, je veux juste pas mourir, hein. Tuer tout le monde, sauf moi. Oh, non. C'est pas Pog, ça? Ah, c'est. Eh bien, eh bien. Ah non. Bam! Dans ta gueule! Yes, mommy! Come to me! Super, hein, c'est le petit que tu sers dans les bras. De toute façon, j'ai toujours su que c'était ton préféré. Non, mais y a pas de souci. J'aurais préféré que vous me disiez que j'étais adoptée. Au moins, ça voudrait dire que j'étais un minimum désiré. Par ici. Suivez-moi. Ah, vous êtes vivant. Bah bon. Je vais t'abandonner maintenant, tel que toute bonne mère le ferait. Va vite te cacher. Je croyais que je devais pas le laisser seul. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur? Oui. Ah, le docteur? Pourquoi tu veux que je l'amène, hein, docteur? Je ne comprends pas. J'ai besoin de vous. Non, moi je vais mourir. Telle qu'une bonne mère, je vais vous abandonner. Alors j'ai eu le choix de venir avec vous et de courir. Dépêche-toi, suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Bon bah, le petit va mourir aussi, hein. Mais cours, cours. Tu prends le petit, tu cours. Suis-moi. Vite. Qu'est-ce qui se passe? Où est maman? Maman est morte. Cours. C'est pas Pog, c'est pas Pog. Mais où est-ce? Je sais pas. On va là où le fort nous mènera. Maman, elle dort là actuellement. Non, c'est vrai, c'est pas bien de mentir aux enfants. Après, tu n'affrontes pas la réalité. Maman est morte. Voilà l'âme qui a transversé la porte. C'était maman. Prends une grande
Et maman, je pense qu'elle est de l'autre côté de la porte en train de rendre ses derniers souffles actuellement. Non, on ne l'aidera pas, je tiens à ma vie. On a perdu notre chien et notre père. De la faute à maman. Non, je rigole, de ta faute. Tiens, pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Et là, elle pense à pourquoi est-ce qu'elle a pas fait une fausse couche. Pourquoi je suis pas morte après la naissance. Hugo est mort. Hugo. Ah non, Hugo pleure. Amicia, pourquoi ils veulent nous attraper? Pour te tuer. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman. Oui. Oui. On fera ça. La fumée noire, c'est pas... Attendez, madame? Non, c'est pas bon signe. Qu'est-ce qui leur arrive? Elles ont eu peur. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. On va faire toutes les portes. Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a faim. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Personne. Ils ont eu peur de ma gueule. C'est pas possible. Ils ont tous. Gamin, c'est ta faute si papa et maman sont morts. Donc c'est normal qu'ils ont peur de nous. Oh, regarde, des dessins sur les portes. Non, non, non. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Oh, ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui. Arrête de casser les couilles. Je savais que j'aurais dû frapper dans le ventre à maman. Oh merde. C'est pas drôle. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'ils se cachent. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête. Oh mon dieu. On va faire demi-tour, petit. Hé, hey, je vous en supplie, aidez-moi. Regardez qui voilà. Nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein. Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Amicia, viens vite. Viens vite, on va arracher le bras de cette madame parce que tu as faim. Ils veulent tous notre mort. Mais pourquoi ils sont en colère? Oui, c'est qu'une question de temps avant que on soit aussi cette odeur de viande qui te donnait tellement faim. Il faut qu'on se cache, Amicia, à l'intérieur, vite. C'est pas une porte en bois qui va te sauver. Allez là, bouge ton cul, plus vite. Chut, chut. Mais ferme ta gueule, ils sont dans la pièce. Chut, chut, chut. Voilà. Ah, c'est pas fini. Ils arrivent, vite. Bah bouge ton cul. On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Des étrangers? Oh non, vite, vite! Mais quelle grosse pute! Michel, vas-y, grimpe, passe devant! Elle a pas l'air solide, Amicia! On a pas mind le temps, mind ton elle cul! Elle va casser! T'es une vraie bite! Viens, sur le côté! Oh, tu es là! J'ai trouvé ça pour que tu montes! Bonne idée! Mind ton cul! Ah ok, c'est à moi de faire. Mais quelqu'un. Mike ton cul, petite merde. Tiens, bravo. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu as raison. C'est juste que tu as un gros cul. Non, on peut pas. Amicia, cachons-nous. Non. Hop. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse. Ma bébé, j'ai entendu quelque chose. J'y vais voir. Non, non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Rien du tout. Je comprends pas. Oh non, ça fait deux fois là. Je vais voir ça. Gaffe à toi. Ces démons peuvent être n'importe où. Mais on n'est pas des démons. Oh non, encore eux. C'est par où? Je le savais, hein. À partir du moment où c'est une ligne droite, tu dois courir. Vite, s'il te plaît. Je sais. Allez, cours. Ils savent qu'on est là. Non, elle est bloquée. Hugo, passe par là. Ouvre-moi. Mais non, mais tu passes toi aussi, mais tu... C'est... Ça me rend ouf. Ils ont pointé une planche. Tu peux l'enlever? Mais vite, vite, Hugo, je t'en supplie. Hugo, il est là. Hugo, fais quelque chose. Hugo? Oh, oh. On speedrun là. On speedrun, mais pour notre vie, tu vois, Hugo? Tu vois toutes ces années sur YouTube que t'as passé à regarder ce magnifique YouTuber. On fait pareil, on court, mais pour notre vie. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Et toi, t'es une cannibale, c'est ça? Vous êtes trompé. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Oui. Vous êtes sûr? Merci. Ça, c'est l'histoire d'Ansel et Gretel, là. Ah, mangez, mangez. Engraisse-les bien et mange-les. C'est mieux. Et toi? C'est mieux pour le sacrifice. Maman, non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête, on va se faire attraper. Hugo, on fera ce qu'elle a dit. Hugo, maman est morte. Hugo, attends.
Hugo, tu me casses les couilles. Mais où sont vos parents? Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur, Laurentius. Les moines pourraient vous en dire plus, Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Et derrière cette peau de vache, c'est de la peau humaine, madame? Oh mon dieu, j'ai confectionné une... Je pourrais l'améliorer encore. Arrête, couillon, tu vas te blesser. Tu vois ce couteau en face de toi, si tu veux voir papa ou maman, tu le mets dans ta tête. Mais je te le déconseille. Vous les avez perdus. Ils font pas de vieux os. C'est pas Pog qui aime ça. On va encore mourir. Mais ferme ta gueule. Je répare le sol. T'es idiot, quoi? Je suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants, ne faites pas de bruit. Je veux voir maman. Tais-toi. Je vais le refoutre dans ce gamin. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman, pète-lui les bras. Tu la reverras jamais. Papa non plus. Tu mens. Si, ils sont morts. On t'a enfermé. Tu es à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse. Menteuse, je te déteste. Arrêtez. Hugo, non. Pourquoi elle pleure, la grand-mère? Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou. Pète les couilles, ce gamin. Mais c'est ouf, ça. Hugo, tu vas nous faire tuer. Si tu meurs, c'est tant pis, hein. Moi, j'irai au KFC. Sans toi. Tu vas nous faire tuer. J'aurais pas dû crier. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis désolée. Non. Monstre. Laissez-le. Lancez-la. Non, attendez. On veut juste s'en aller. S'il vous plaît, non. Je voulais pas. Amicia. Hugo. Faites qu'il soit encore en vie. Faites qu'il soit encore en vie. Ah, mais il a qu'à pas chercher aussi, hein. Ah, ils vont le violer. Arrête de... Je fais comment pour t'aider? Moi, tu ne m'enterreras pas. Je vais commencer par toi. Pourquoi il a fallu vous venir ici? J'ai pas à faire ça. C'est comme ça que tu fais. Moyen de faire sauter son armure. Mais je fais comment? Je suis juste un peu rouillé. Oui, moi aussi, je suis un peu rouillé. Oh, idiote. Cette armure a arrêté bien des ennemis. J'ai une idée. Allez, frappe-moi. Tu crois me faire peur? J'ai servi dans ta guerre. Non, dans le bras. T'es rapide. Ah non, merde, son dos. Ah, j'ai pas vu. Désolé. Combien d'insaïs? Tu peux pas fuir. Non, mais y'a pas de soucis, mon ref. Maintenant que j'ai compris. Alors, tu fais quoi, toi? Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. Chac! Juste un peu rouillé. Oui, t'es rouillé, oui. Tu peux pas fuir. Désolé. Je vois. Tu as ça en toi. Bien, ça va m'aider. Je vais te montrer ce que c'est de perdre ce qu'on aime. Crois me faire peur. J'ai servi dans ta guerre. Oui. Oh, mais du coup, il est plus rapide. Je ne sais pas faire ça. On a un petit souci, mon enfant. Tu dis 100 ans. Merci. Allez, vas-y. Envoie-moi auprès de Tue-moi. Laisse-moi. Le vainqueur sera maudit pour l'éternité. Tu l'as tué. C'est que t'as pas vu celui d'avant.
Le sac de pierre! Merci d'être passé. Merci pour votre soutien. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.